Je m'appelle Sophie Thévenard et j'enseigne les percussions au conservatoire de la ville d'Auxerre. Dans la grande famille des instruments à percussion, on distingue plusieurs sous-familles. Tout d'abord, la famille des pots, dans laquelle on retrouvera par exemple la caisse claire, un des éléments de la batterie. C'est l'instrument principal de cette famille, puisque lorsqu'on débute l'apprentissage des percussions, on commence généralement par la caisse claire. Ensuite, nous avons la famille des claviers, c'est-à-dire tous les instruments qui ont un clavier similaire à celui d'un piano. Le vibraphone ici, par exemple. Le xylophone. Et aussi le marimba. On peut également faire des percussions avec son corps ou sa voix. Et même avec des objets du quotidien.